J'étais encore une gamine, à l'âge où les chattes sont tendres. J'ai une secte au beau milieu de la fièvre du samedi soir, que Jules la tua d'un coup de mâchoire. Johnny était de ces femelles qui sortent les griffes comme pour s'amuser, qui jonglent entre crocs et mamelles, qui sucent leur pouce après avoir griffé. Sortie d'un berceau de papier, elle tuait déjà des papillons. Pour le plaisir, sa jambe gauche s'est déchirée comme du papier. Quand je la tua, pour le plaisir, elle a épuisé sa mère. En 2 mois et demi, elle était rock'n'roll, sa petite jolie. C'est au milieu d'un jardin noir que je la tua. Un coup de mâchoire. Et toi, le vétérinaire bien intentionné, si tu crois qu'on calme les pauvres gens en racontant des histoires de chats éventrés, tu frignes te convertir à l'arrachage de dents. Comme une petite patte arrachée, la pauvre chatte, elle doit vivre avec surprise. Vous indique pas plus tard que dans la matinée, j'ai eu un chien empalé sur vous, ce tournevis. Elle m'a fait payer $80, c'est le prix pour mourir un samedi soir, mais...